La décision de fermeture des cliniques clandestines et des pharmacies parallèles par le gouvernement guinéen est diversement appréciée au marché du Kenyan. Ici, il est difficile de reconnaître une pharmacie par terre ou une clinique en ce vendredi 16 septembre 2022. Elles ont toutes fermé pour échapper à une éventuelle descente des forces de sécurité sur place. À la rentrée du marché, un cabinet de soins médicaux visiblement non agréé est fermé. Son détenteur est absent des lieux. Quelques citoyens rencontrés ont salué la décision du gouvernement qui vise à nettoyer le secteur de la santé. C'est le cas de Bademba Baldé, habitant du quartier kenyan. Foyer de pharmacie, hein? Partir à Madina acheter des médicaments. Mais est-ce que ça c'est une pharmacie, hein? À Madina on peut prendre des médicaments, on peut essayer de falsifier la date de carence. Donc ça aussi, c'est notre problème. Oui. Donc c'est une très bonne chose si c'est accompagné de certaines... Moi, j'ai vu des atouts pour les aider à bien se structurer. Et comme dit, retirer les clairs agréments. Bon, c'est tous ceux qui ne sont pas agréés. Hein? Essayer hein, d'arranger pour mieux le faire. Hein? Mais pour les cliniques, là, je ne joue pas là-dessus. S'ils ne sont pas agréés, de fermer tout simplement. Ali Dark Keita, un autre citoyen qui habite au cœur du marché de Kenyon, est catégorique sur l'application de cette décision prise par l'État guinéen. Il approuve la mesure gouvernementale. Les cliniques clandestines hein, doivent être éliminées. Si tu sais que même si c'est à titre privé, tu veux ouvrir, hein, il faut aller légaliser à partir de l'État afin d'ouvrir une clinique. Il ne s'agit pas de dire que c'est parce que j'ai étudié un peu, je vais me débrouiller. Chacun se débrouille, le Guinéen est débrouillé en français. Mais ce qui reste clair, on n'a qu'à s'apprendre à être correct, à être légal. Hein? Il ne faut pas dire que ah, parce que je connais un peu, je vais essayer de faire ça aussi, comme j'ai vu l'autre, pour chercher de l'argent. Mettre croix rouge sur les cliniques, sur des produits. Les cliniques, même si c'est privé, ils n'ont qu'à essayer de légaliser, voir qui doit être là. Qui est qui? À chacun à sa place. Il y a ceux qui sont totalement opposés à cette décision de fermeture des cliniques clandestines et des pharmacies parallèles. Nous avons trouvé Ali Assouma en état de convalescence devant sa chambre, en train de prendre ses produits. Il les a achetés dans une pharmacie non agréée, car ses moyens sont limités, dit-il. Ça ne sera pas un avantage pour la population. Vous savez, la Guinée a trop de pauvreté. Donc, on n'a pas assez d'argent pour aller acheter les médicaments dans les pharmacies agréées. Donc, il faut que l'État revoie la facture. D'accord. Tu es allé dans quelle clinique, toi? C'est pas une clinique qui est agréée. C'est où? C'est dans le quartier? Oui, c'est dans le quartier. Si j'allais dans une pharmacie agréée, j'aurais pas les moyens pour avoir tous les ordonnances pour ma maison. Donc, je suis obligé d'aller y avoir les moyens que j'ai. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, aucune patrouille de contrôle n'était encore venue au marché de Kenyon pour vérifier l'effectivité de la décision de fermeture des cliniques et pharmacies clandestines en Guinée.